Alors on y va. En vrai, je condense, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un jeu d'horreur. I'm so glad it's almost over. Je suis content Congratulations. que c'est presque fini. Thank you. Bravo, chérie. Merci. I'll never understand why you chose such a macabre Je comprendrai jamais pourquoi tu choisis une filière aussi macabre. But I'm Mais je proud suis fier of de you. toi. I really am. You've come so far. So, you haven't told me what's Alors, next. tu m'as pas parlé de la Can you suite. get a job where you are, or... Tu vas réussir à They avoir un actually travail ou t'es ou have pas? everyone they need. Ils ont But déjà my besoin old teacher, ils ont déjà tout ce Mr. dont ils ont Delver, besoin, mais transferred me to his office to mon vieux finalize professeur, my Monsieur internship Delver, there. m'a Oh, well, transféré that's à good. I son remember you bureau. mentioning him. Oh, cool! Je me Where's souviens he que tu en avais déjà located? parlé. Are you Il est où moving son away bureau? from me? Est-ce que tu t'éloignes de moi? No, Non, non, I'm not haha, moving. je bouge. He's actually located around here. Il est juste à côté d'ici, à Riverfield. Riverfields. Oh, Rebecca. Ah, Rebecca, I j'aime don't pas like ça. that. Grandma, even I've heard Grand-mère, things about that j'ai place. entendu plein de choses à propos de cet endroit, juste je m'en Just fais be pour toi. worried about People you. make up stories. Mais puis, les Death gens is a scary créent des thing to a rumeurs. lot of La mort, people. c'est un truc qui And fait we peur try à to beaucoup de explain gens. things we don't understand. On essaie And we d'expliquer want des choses comfort qu'on ne when we comprend lose pas. someone we love. Et tout le monde a besoin No one's de embalming a ghost réconfort body quand in il a perd minute. quelqu'un qu'il It's aime. alright. Ok, Sorry. désolé. Je voulais juste te dire ça. But I wanted to give you this anyway. Ça va la trad, les gars? On s'en sort. Here. I don't know if I want that. Just take Je sais it, pas si j'en please. veux. Prends-le, s'il te It plaît. should be yours anyway. Thanks. All right, enough spooky stuff. Bon, on a assez So parlé de trucs qui proud font of you. peur. Je suis fier de When is toi. all this happening? When do you Quand start? est-ce que ça arrive? I've Quand est-ce que actually tu been there commences? for a few weeks now. Je suis My là depuis review plusieurs is semaines tomorrow. maintenant. Mon entretien est demain. Il y a un film comme ça d'horreur qui se passe dans une morgue qui s'appelle The Jane Doe Identity. Si vous voulez le regarder ce soir-là pour vous faire une petite frayeur après live, allez-y. Il fait assez peur le film. Voilà, régalez-vous. Riverfield Mortuary. All right, here we go. Ça joue. Ah, attendez. Ma sensibilité, c'est un peu n'importe là. Ok. Je suis à la morgue? C'est ça la morgue? Attends, je vais rebaisser là, c'est vraiment abusé. Ok. Rebecca! Un dernier truc que j'ai oublié de te donner, s'il te plaît, chope un stylo ou un crayon de mon bureau et signe. Merci, Zori. PS, bonne chance. Je dois signer quoi ça? Je vais prendre ça. Ok. Access quick inventory and choose the item you wish to truc, c'est clic droit. Pencil. Bah arrête de mentir. I can't use that here. Bah arrête de mentir. Je dois signer là-dessus? Ah ouais, ok, c'était sur celui-là. Bah c'est le même que. Ah non, pardon, c'est autre chose. Ok. Ok, let's go! Oh là là, on arrive à la morgue. C'est fascinant ce métier en vrai de vrai. Rebecca, great, perfect time. M'a fait peur ce bâtard. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to Cold Je viens de finir avec Monsieur Dalton. Ramène-le, c'est le mec qui est mort là, Monsieur Dalton. Ramène-le dans la chambre froide. Et ramène un autre client dont j'ai oublié le nom. Use the gurney by standing behind it and pressing the gurney into a key, then walk backwards with the gurney down the hall. Ok. Donc j'ai juste à le prendre comme ça. Ici. Et je le ramène, tranquille. Ok. Où je le ramène, j'en sais rien. C'est fascinant ce métier, c'est un truc de ouf. Cold storage. Pour amener un corps, tu dois ouvrir la baie avec le nom du corps. Et voilà, c'est fait, j'ai compris. Alors, c'est lequel? C'est lui, Oswald Dalton. Je
j'aurais clairement dû lire le truc qu'on vient de voir. Je peux pas tourner? Faut pas que je tourne comme ça? Si. Si, c'est ça. Attends. J'aurais clairement dû lire le truc. Attends, faut faire clic droit. Chat, j'ai besoin de vous. Mais pourquoi ils me disent left mouse button? Ça marche app. Ah, ok. Et maintenant? Ah, ok, c'est bon, j'ai compris le système. Ok, ça c'est fait. Et on va prendre deux roti page. Ok. Et maintenant je le pousse. Ok, j'ai compris. Je referme. Ok, c'est bon chat, je m'en suis sorti. En fait, ça se lève, c'est ça le truc tricky. Je savais pas que ça se levait. Ça, je le tire. Hop, ça, je le prends. Et c'est fait, ça se fait tout seul. Et ça, je le retire. C'est bon, je maîtrise, les gars. Et c'est parti. Ok. Pas évident. Salut Dorothy, on va passer un petit moment. Toi et moi, je dois te rendre belle pour ton enterrement. Alors, je vais te laver, te maquiller, vider ton sang. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks? I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Ok, on doit grab ça et faire quoi? Ok, donc il y a toute une liste de choses à faire, quoi devoir faire. Voilà. Elle a 87 ans, putain, elle a une belle vie. Put clipboard away, espace. Ok, record any distinguishing mark. Donc je dois... Toutes les marques un peu anormales, je dois le faire un rapport. Et ensuite, je dois aller rentrer dans l'ordi et imprimer. Ok. Donc, je dois checker la tête, les épaules, les bras et les jambes. Ok. Je suppose qu'il est dans mon inventaire maintenant. Ouais, il est dans mon inventaire. Ok. Alors, la tête déjà. Non, on va commencer par les épaules. Inspecting the body. Over the cursor, over unique marking. Ok. Y'a rien, on est d'accord. Hein. Rien du tout. Au niveau de l'autre épaule. Arrêtez-moi si je me trompe. Ah si, là il y a un truc. Ok, je viens de le marquer. Là il y a un truc aussi, mais... C'est quoi ça? C'est quoi? C'est des piqûres? Qu'est-ce que c'est? Je suis curieux de voir ce qu'elle a noté dans le... These old windows never stay latched. Ok, elle a de l'eczéma. Mais est-ce que c'est des trucs qu'elle avait de son vivant ou qui sont arrivés parce que le corps il a un peu, je sais pas, ils l'ont pas mis au frais à temps? Il y avait un truc là, ouais. Je viens de le noter en fait en cliquant. Ok. Great. Climb on in here and put everything into the record system. Ok. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the pack. Ok, donc je dois le mettre dans l'ordi, ensuite je dois imprimer et ramener ça à Zoé dans l'entrée. Ok. Et ça c'est quoi? Non, je peux pas, je dois pas la laver. Non, je dois pas la laver. Ok. En fait, il me regarde faire, c'est mon maître de stage, quoi. Click the record system icon. Match. What was that? I didn't say anything. You all right? Quelqu'un qui vient de nous dire. Yeah, I'm fine. Sorry. Ok, donc attends, je dois cliquer sur record system name. Je dois mettre son nom, son âge. Dorothy. Ah ouais? Ah ok. Ah ok, je dois cliquer age, head. Ah non, ok, c'est ça que je dois mettre. Left shoulder, c'est ça. R arm, c'est ça. R leg, c'est ça. L leg, c'est ça. Et L arm, c'est ça. On est bon? Ok, fallait tout faire dans l'autre sens, c'est parti. Un vrai plaisir. Yes. L shoulder. Mais, ah non, mais c'est buggé en fait, attends. Ah non, c'est bon. Ok, c'est tout. Merci. Merci, je suis un monstre, merci. Ensuite, il faut que je prenne ça et que je l'amène dans le bureau de à l'accueil. Merci, je suis un monstre. Ok. En vrai, plutôt bonne forme. La 87 ans, ce corps-là, là, assez extraordinaire. Je peux vous dire qu'à 87 ans, on n'aura pas ce corps. Hein. Je mets ça où?
Ah, faut le mettre là. My bad. Ah, sur le... Dans les... Time to embalm. Ok, c'est fait. Et maintenant ? Je retourne le voir lui en mode, c'est bon, c'est fini ? All right. I've set everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Everything's on your list there if you need it. Ok. Je dois faire quoi ? Pourquoi je suis bête à chaque fois dans les jeux comme ça, je comprends pas c'est quoi. Je dois la ramener? Ah non, c'est là, pardon. C'est vraiment entouré en blanc, ils font un effort de fou là dans le... Ah ok, je commence le truc. Ok, moisturizing wipe, ok. Oh là là, mais j'ai trop de trucs. Un truc qu'on met dans la seringue, bon, une seringue on connaît, un scalpel on connaît. Eye caps, ok, c'est un truc qui maintient les yeux fermés. PVC, un tube qui est utilisé pour various medical applications, ok. Ah ok, j'ai trop de trucs sur WAM. Mais frérot, je sais pas par quoi je commence. Ça déjà je m'en bats les couilles, en vrai. Ah si, c'est marqué là, ok, c'est marqué là. Alors déjà je dois mettre wire jaw shut with needle injector and setting needles. Insert eye caps to keep eyes shut. Donc attends, on va commencer avec ça. Eye caps. I can't use that. Mais si, là, arrête. Setting the face, ok. Ah! I can't use that here. Qu'est-ce que je dois utiliser en fait? Je comprends pas. Putain, je suis pas doué avec les cadavres. Et en même temps, c'est rassurant cette info. Je suis vraiment à chier avec les cadavres. Et alors? Oh! There we go. Ok. Attends, j'ai pété sa mâchoire pour lui fermer la bouche là? C'est ça que je viens de faire? Logiquement, si je prends le clipboard, il y a un truc qui a été coché. Ouais, c'est ça, ça a été fait. Ok, maintenant c'est les eye caps. Bon bah easy les gars. Ok, allez hop, on y va. Tac, tac, faut que je clique. Ah non, faut que je le mette et qu'ensuite je ferme. All right. Super. C'est bon les gars, je suis en train de tout comprendre. Je vous le dis direct. Là-bas, il y a le gros poste, c'est juste là. C'est intéressant, en vrai, je pense qu'ils sont basés sur comment ils font vraiment dans la vraie vie, quoi. Ça va nous arriver, les gars, ça, normalement. C'est glauque ce que je dis. En même temps. Mix embalming fluid dans la pompe. Il faut du glutaraldéhyde, du méthanol, de l'humectant et du formaldéhyde. Ok. Donc là j'en ai pas... Ah si, attends. That's not it. Ça doit être là, non? Ok. Ok. I can't hold anything else. Ah, c'est là, pardon, my bad. I can't hold anything else. Ah bâtard, comment je fais pour me séparer d'un truc? Ok, c'est là. Ok, je viens de tout reposer par terre. Parce qu'il faut que je prenne ça. I can't hold anything. Arrête d'abuser, c'est un truc de ouf. I can't hold anything else. Hmm. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly, and it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Mon frérot, c'est pas du tout normal qu'il y ait un truc soit tombé là. C'est absolument pas normal qu'il y ait un truc soit tombé, mon frérot. Je te le dis tout de suite. J'ai l'impression qu'il nous cache un truc, ce type, si vous voyez ce que je veux dire. Il nous cache que c'est un peu hanté, le lieu, là. Ah putain, comment c'est pas instinctif, c'est un truc de ouf. Faut cliquer, appuyer sur E, pointer ça avec clic droit et appuyer sur le truc. Cliquer, appuyer sur E,
Point de clic droit plus... Ok. Ok, le mélange est fait. Donc ça, c'est le truc qui va conserver le corps, en fait. Qui fait que le jour où on te voit dans ton cercueil, t'es pas genre en décomposition. Ok, maintenant que ça c'est fait... Make an incision in the carotid. Use forceps to clamp tubing to both veins. Ok. Il est où le scalpel? Je sais plus où je l'ai mis. Holy shit. Excusez-moi. Ah, il est là. Super. C'est où que je dois scalp? Ah bah c'est là. Non, mais tu fais open quick inventory, select the item needed. Ok. Et là je dois mettre quoi? Le clipboard directement dedans. Use forceps to clamp tubing to both veins and connect to embalming pump. C'est quoi forceps? Ouah les gars, je vous jure, j'ai jamais vu un jeu aussi peu intuitif, c'est un truc de ouf. Ça c'est le trocard, donc c'est pas ça. Ça c'est la moisturing pad, donc c'est pas ça. Ah, tubing, j'en ai besoin. Ok, c'est pas grave. Flex bag. Ah bah oui, c'est utilisé pour infuser des fluides pour les organes et tout, donc je pense qu'il me faut ça. Et justement, il me faut ça avec. Fuck it! Bon les gars, je suis vraiment pas fait pour bosser à la morgue, je vous le dis tout de suite. En fait, je pense qu'il faut que je mette le tube 100%. Faut que je mette ça, à mon avis, c'est ça, non? C'est pas ça? Me dis pas que c'est pas ça. Ouais, mais moi, je suis étudiant français et vous connaissez notre réputation. On parle pas très bien anglais. D'accord? Alors, obviously, je savais pas que ça, c'était un artery forceps. J'en savais rien. Mais je connais bien mon métier. Ok, et donc? Ok, je pense que maintenant, c'est le tuyau, non? Ouais, c'est le tuyau. Il est... Là. Let's go. Elle pourrait tout prendre dans une main quand même, si je puis me permettre. Ah, c'est dégueu. Ah, ok, ça pompe. Maintenant que ça s'est fait, ah, c'est dégueu. Engage la pompe et laisse le body se faire drainer. Et ensuite, turn off la pompe, retire les tubes et ferme l'incision. Et ensuite, fill an empty 4 réservoir bag avec la cavité fluide. Non mais mec, ça, c'est abusé là. Super. En fait là, on remplace le sang de la personne par un liquide qui va préserver son corps. C'est ouf, hein. Ok. C'est vraiment un truc de ouf, quand même. En vrai, de vrai, c'est incroyable. Ok. C'est résolu. Fill an empty reservoir bag with cavity fluid, then insert trocar into the abdominal cavity. Donc c'est le bag, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est ça, pardon. I can't hold anything else. Ok. Je dois mettre quoi dans le bag? I'm missing something. Oh merde. Il me faut le trocar. Je connais bien, moi je vais souvent au trocar d'héros. Et pour vous celle-là. Et pour les squeezos de minuit. I'm missing something. Mais c'est pas possible! Qu'est-ce que j'ai là? C'est un trocar! Alors on est où? I'm missing something. Tu m'emmerdes! I can't use that here. Mais frérot, c'est un truc de ouf. Fill an empty reservoir bag avec du cavity fluid. Mais elle peut pas prendre plusieurs trucs dans ses mains, les gars, sans déconner. C'est un truc de ouf, on n'y est pas, quoi. Donc c'est bien ça que je rentre, je dois le remplir de quoi? De ça? Mais il y a un gros truc blanc, Lucas, un petit effort. Oh là 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 là, les trucs à étapes comme ça, c'est... Les gars, je suis vraiment désolé, je suis un débile, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Maintenant, je peux prendre ça.
Je le mets dans ça. Normalement, c'est bon. Voilà, on y va. Je fais genre, je sais pas, moi, j'attends. Je prends quoi, en fait, là? Je vide le liquide que je viens de mettre dans les veines pour remplacer le sang? Non, c'est autre chose, non? Ah, c'est moi qui bouge, pardon. C'est autre chose, non? Non, c'est dans l'estomac. Ah, c'est ce qu'il y avait dans l'estomac. Ok, ok, ok. There we go. Ok. Purée, c'était la mission. Je suis vraiment pas fait pour ce métier. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Étrange vos délires de déco. Ok, du flow clean, une solution de corrosion inhibidor. Nanana. Pas. Donc ça c'est pour nettoyer la machine apparemment. Ok, et donc mix cleaners in bathroom to closet to create tank cleaner. Then pour into the embalming pump. That's not it. Je comprends pas là. I can't hold anything else. Ah, je l'ai sur moi? Ouais, je l'ai sur moi. Faut que je mette dans la pompe qui est là-bas. Qui est juste ici normalement. Pour la nettoyer. Ok. Et ensuite, apply moisturizer to facial features. Ok. Et je crois que le moisturizer, c'est ça. Ouais. Ah, faut juste attendre que ça se finisse. Ça, c'est vachement long, hein. Franchement, bravo hein, pour ce que vous faites. Ok. Maintenant que c'est fait, je peux aller là. J'ai juste à nettoyer le visage. On y va. Voilà. Bon. Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. J'ai vu un truc, hein, frérot. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. J'ai vu un truc, hein, frérot, si jamais. Démerde-toi. Go ahead. It's fine. I'll give you a call when we get someone in. Non, je mets pas en bas, Louis, ça cache tes sous-titres. C'est pour ça que je les laisse en haut. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ok ok ok, bah vas-y. En plus ça a fait laguer le... Mon stream il lag là du coup je crois, Louis. J'ai touché un truc, ça lag de fou. Je comprends pourquoi ça lag. Ça lag non? Non ça lag pas, c'est juste ma prévisualisation. Ok ok pardon, c'est juste ma prévisualisation. On en est où là, je dois faire quoi? Ah bah je tire la chasse, pourquoi pas. Je sais pas, il me propose plus de prendre le ça là. Voilà. Alors, apply moisturizer to facial features. Mais je l'ai fait. Rebecca, it's time to head home. Ah ok, ok, ok. I'll give you a call. Ok, je m'en vais. A toute, ciao. Ok. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. C'est bizarre. Wait a sec, I have another call. Il va l'appeler à l'aide? Non. Hey Rebecca, it's Raymond. Oh, hi Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. Ok, c'est excuse, il dit qu'on a fait un super taf. Just not feeling too well. Il dit qu'il se sent pas très bien. That's actually why I'm calling. Et il dit que c'est d'ailleurs à ce sujet qu'il appelle. Got three new
Il sait qu'il est tard, mais il a 6 cadavres dont il devrait s'occuper à la morgue là et il a personne pour s'en occuper. Donc il espère que je puisse me rendre dispo et le dépanner. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. Est-ce qu'il sait, lui, que... Je me suis bavé dessus, là, grave. Est-ce qu'il sait, lui, qu'il se passe des trucs bizarres? Et il met dans un guet-apens comme un lâche? I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Je pense, hein. Je pense qu'il sait, hein. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. Regardez The Jane Doe Identity, les gars. C'est littéralement ce jeu, il est basé sur ce film, littéralement. Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Okay. Where are my keys? Alors ça, par contre, non, ça existe pas. Hein. Littéralement, ça existe pas. Je suis désolé, hein, les devs, mais il fallait faire un effort. Les clés, y a rien. Dans la salle de bain, 100%. Allez, on y va. Non? Dans le frigo? Mais non, voyons, personne n'oublierait ses clés dans le frigo. Elles sont là. C'est parti. Le micro-ondes, là, les deux petits trous qui font pile la taille du micro-ondes, très bizarre. Ok. On y va. Allez, les cadavres, let's go. Alright, guess what? Mais quoi? Il m'a enfermé, il m'appelle? Hi, Rebecca. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm, okay? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. Mais quoi? I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Ugh. Damn it, what the fuck? This is insane. Ok, il y a une boîte avec mon nom. Il a dit que la possession a commencé, mais de quoi il parle? Moi, je commence à me faire posséder ou c'est un truc dans la salle? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Just play along. And do your job. Ok, clé et magnéto, tape recorder. Ok. Ok. Ok, j'ai une vieille clé sur moi pour ouvrir un autre truc. Putain, il me harcèle en plus. Alright, listen carefully. I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name. Je dois bannir le démon, donc je dois apprendre son nom. And burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you, in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. On écoute les cassettes, on trouve le nom du démon et on brûle le bon corps. Open it up. Good luck, Rebecca. Ok. I'm sorry this had to happen.
Ok, allez, c'est parti, on s'y met. Allez, on écoute la cassette. Grab a body and get started. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Vas-y, ouvre-moi ça. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Allez, on fait ce qu'on a à faire, les gars. On fait ce qu'on a à faire, on trouve le corps. On trouve le nom du bâtiment. Du bâtiment, du démon du bâtiment. C'est ce que je raconte. Du démon, et après j'ai pas compris, faut le graver sur le corps ou faut brûler le corps, j'ai pas compris après ce qu'il faut faire. Allez, on prend un corps au pif, celui-là. Ah non, celui-là, on va prendre celui-là. Allez, on prend celui-là, let's go. Allez, on y va. Ramène-toi. Allez, ramène-toi, fais pas le têtu. Ramène-toi. Allez. Voilà. Dégage. Tu viens avec nous. Tu viens avec nous, j'ai dit. On se casse. Allez, on va le speedrun, les gars, ce jeu, je vous le dis. Oh, mec, s'il ouvre les yeux à un moment, c'est incroyable. Ah mais non, mais il a déjà les yeux ouverts, pardon, ils ont juste plus de couleur, excusez-moi. Ok, hop, il est en place. On va fermer ça au cas où, bien évidemment. Et on va te check, mon frérot. Du coup, il nous faut des... Ils sont où les outils, là, le scalp et tout? Ah, c'est là. Donc, on vient de vivre tout un tuto pour ça. C'était pas ça, là? I can't use that here. Ah ouais? Mais... Y'a pas de scalpel. Y'a le truc du visage, y'a ça... Le premier truc qu'on avait fait c'était avec ça, non les gars, j'ai rêvé? C'était pas ça? Ah non, c'était ça, pardon. C'était ça. I already have one of pardon, pardon, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Excusez-moi. C'est ça. I can't use that here. Mais quoi? Ah pardon, je dois prendre ça, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, je pensais que j'avais pas besoin de ça. Record any distinguishing marks, enter marking into computer. Allez, on y va. Là, il a des marques. Rotate. Tout va bien. Bien joué. Hello? Nope, nope. New job. I'm getting out of here. Je dois faire genre qu'elle s'en va? Okay, how long I went to school? New career path. Fuck this. Fine. Maybe. No. Maybe. Everything's fine. It's fine. What? No, I I'm just seeing things. I need to get back to work. It's fine. Tu te fais posséder. Tu te fais posséder. Aïe 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 la tuile. Bon, continue. On fait ce qu'on a à faire, on fait ce qu'on a à faire. Allez, on y va. Chaque clic est un potentiel screamer. I'm getting back to work. Voilà. So stupid. Attends, j'ai pas retourné la jambe là. Ah, on peut pas la retourner la jambe, ok. Les épaules là, est-ce que j'ai retourné? Je me souviens plus. Oui, bien sûr que j'ai retourné. La tête, qu'est-ce qu'elle dit la tête? Elle dit quoi? Elle dit rien du tout la tête. Il a rien du tout. Allez, on est bon. On va dans l'ordi, on rentre tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite cassette. Ok. The Night Shift Database. A computer program combining all my findings into one reference point. Ok. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Ok, mais pour le moment, moi j'en suis là. Ça c'est bon, ça c'est bon. L shoulder, L arm. Merde. Ah non, rien, pardon. Contusion, air leg. Ok, il a que deux trucs. On est bon, hein.
No way. J'ai raté un truc? Je vous crois pas. J'ai raté quoi? Y'a rien, mec. Je l'ai déjà souligné, ça. Ah, j'ai raté un truc là? Non. Mais putain, je suis vraiment pas fait pour ça, hein. C'est un truc de ouf. Ah, ok. Ok, je pensais juste ça. C'est ça. Excellent. Alors, on parle plus. On va prendre le papier, on va l'amener. On va prendre le badge de l'autre pour accéder au fichier là de nuit. Encore une cassette. The process of possession. Ok. I need to have filed the copy up front. Weakening you until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, time to embalm. The more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Scribble just on a scribble. Piece of paper, okay. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Alors attends, la possession elle progresse et je peux regarder sur une horloge. Combien de temps il me reste? C'est ça la trad ou pas? Je suis fatigué les gars, c'est comme si j'avais bu 3 bouteilles d'alcool, voilà, je vous le dis. Je suis ultra con là. Voilà, je vais tomber des vases, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça non? Non, sur le bureau? Pardon. Là? Menteur! Attends, mais là, je dois refaire toutes les étapes pour tous les corps, là. Ça va être infiniment long. Ah, c'est ça. Ok, c'est ça. Je peux l'utiliser pour voir à quel point... Ah, et les cassettes, attends. J'ai la une. The Night Shift Database. A computer program. Ah, c'est bon. En fait, j'avais pas compris. C'est bon. Quand je ramasse une cassette, celle-là lit automatiquement, en fait, j'ai pas capté. Ok, du coup, il me manque juste une cassette que j'ai pas trouvée. J'ai trouvé la 1, la 3, il me manque la 2, je sais pas où elle est. Bon, de toute façon, on s'y met, les gars, hein. Faut y aller, hein. Clipboard, wire jaw shot with needle injector and settings needless. Mais c'est le même truc que tout à l'heure, en fait. Ça veut dire que je crois qu'on commençait sur sa tête, non? Ah ouais? Wire jaw shut with needle injector and settings needless. Bah, c'est ça, non? I'm missing something. Ah ouais? Les yeux déjà, peut-être? Mais les gars, je crois que je suis vraiment trop bête pour faire un jeu solo là. Je vous le dis. Je suis vraiment trop con. I already have one of those. Mais je vous jure, je comprends app en fait. Je comprends app les gars. En fait, je sais pas, tout à l'heure j'avais ce truc là, j'ai fait là et ça a marché. Pourquoi là ça marche pas? Alors que même dans le clipboard, il me dit ça. Ouais, d'accord, c'est une faille du jeu ou je suis vraiment con là? Wire jaw shot with needle injector que j'ai dans ma main. Je suis vraiment trop con là. Ah, il faut ça en plus. Ah mais en fait, ok, c'est les gars, en expérience utilisateur, le jeu il est. Ouais, il y a des trucs tu peux les ramasser, tu peux en prendre que un, mais il y a des trucs tu sais pas pourquoi tu peux en prendre à l'infini et les trucs ils se stackent ou pas. C'est très contre-intuitif, tu vois. Là, il y a un autre truc, genre un scalp par exemple, là je pouvais pas le ramasser, tu vois. C'est trop bizarre, non? C'est trop bizarre, mec. Enfin, ils devraient au moins te les mettre dans des inventaires différents, genre des cases pour les outils et des cases pour les consommables, tu vois. On comprendrait mieux. Je trouve. C'est un peu bête, quoi. There we go. Allez, hop, on ferme la bouche avec... Putain, je savais pas que la bouche de base a été ouverte. Mais c'est logique.
Ils te la ferment avec des fils, putain, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Les ice cap, ensuite c'est les produits. Non ! Je ne veux pas voir où j'en suis, laissez-moi. On va se manger des screamers de merde, ça va être horrible, les gars. Ça appartient aux couilles, je vous le dis. Allez, les trucs des yeux, c'est où, putain, je suis en panique. C'est où les trucs des yeux, pitié ? C'est scalp, c'est le truc. C'est ça ? Oui, c'est ça, allez. Allez, prends tes trucs pour les yeux. Ok, hop, right. Hop, on est bon. Et on va se manger un screen dans pas longtemps, je vous le dis. Ça va être dans pas longtemps. On va avoir un truc là-bas, là, c'est 100% sûr. Les fluides dans la pompe, ouais, ok, let's go. Ils sont où les quatre trucs là. C'est ça, non? C'est pas ça? C'est probablement ça. Bon, allez, 2-1. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Hello? Oui. C'est le fantôme là qui me fait croire. Il l'a dit tout à l'heure, il a dit qu'on se ferait appeler par des trucs. Humectant, c'est fait. Ça, c'en est un. Non. Attends, j'en ai fait un, deux. Ça, non, la javel, certainement pas. Ça, on s'en fout. Là, il y en a un là. Ouais, ça. Hop, let's go. Ok, il m'en manque un. Il est où le dernier? C'est des outils là-dedans. Ça peut pas être là-dedans. C'est dans un placard, on parie. C'est pas ça? Non? Ça c'est quoi? Ok, on saura où ils sont pour tout à l'heure. C'est pas ça? Non? Ah merde, alors où est-ce que c'est? J'ai fait lui. Lui je peux pas. C'était lui? Lui je l'ai déjà fait lui, non? That's non, not je l'ai it. Déjà fait. Attends. Quoi? Du glutaraldéhyde et du reagent qui est dans le hall de cabinet. Je comprends pas où est le glutaral. Ah, il est là? Ah, il est là, bâtard. Ok, et il faut le dernier qui est dans le hall cabinet. Le hall cabinet, c'est le truc là-bas, je crois. On va se prendre un screamer là, les gars, je vous le dis. On va se prendre un méga scream. Je crois que c'est là, non? Non, cleaner base. Non, cleaner base. C'est pas ça le hall de cabinet? C'est pas ce truc? Tout va bien les gars, je suis pas possédé. Je suis plutôt normal. Non, c'est une étagère. Ah ok. Bah, c'était peut-être là alors. Non, ça c'est les bagues. Mais bordel! Où est le reagent in the old cabinet? Qu'est-ce qu'il appelle le old cabinet? Là-bas? Le vieux cabinet, là, il y a juste les trucs. Nickel. Bah voilà, fin du jeu! Ho ho ho! Je peux me barrer! C'est fini! Oh mon dieu! Allez, on peut pas se barrer, sinon on va être possédé, c'est ce qu'il a dit. Ça, mais putain, mais c'est quoi le vieux cabinet? C'est ça? Ah, c'est ça. Il faut utiliser la vieille clé. Ok, la vieille clé du vieux cabinet. Ok, c'est bon, je capte. Qu'est-ce qui se passe là? Je commence à mal voir. Oula. Ah, cassette numéro 2. Objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center is called a mark. Okay. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body with the reagent inside, it will force the demon to become bound okay. to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the
pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture, anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them, so check regularly. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, frérot, c'est une dictée ou c'est quoi là? On est où là? Il y a plus de tutos que de gameplay. C'est un truc de ouf. Laissez-moi jouer. Je suis désolé, hein, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça et j'ai besoin de... Déjà, je dois me concentrer à trouver des objets dans cette pièce horrible. Il me fait des dictées. J'ai rien écouté à ce qu'il a dit. Écoutez bien, les gars. Je suis infernal ce soir. Je suis fatigué, j'ai trop pas envie d'écouter un gars pendant 20 minutes me dire et là y a ça, et là y a ci, et là faut faire ça, et là faut faire comme ça, et puis là y a ça. Wow. Moi je suis en train de faire mon traitement tranquille, je viens d'apprendre. Là la première fois c'était il y a 2 minutes. Wow. Une chose à la fois. Quota 1,30, le screamer dans moins de 2 minutes. C'est où le forceps? Il est où le forceps? Ça c'est pas ça. C'est pas ça, c'est le trocar, c'est pas ce truc là. Fuck. Ça a craqué là, je vais me prendre un screamer mec. On va se prendre un screamer mon frérot, ça va être horrible. Dans pas longtemps hein, je vous le dis, il va tomber là. D'un instant à l'autre il tombe. Oh mais c'est pas possible. Ils sont où les trucs les gars? Je suis vraiment con là. C'est ça un forceps? Putain, c'est ça, je suis vraiment un débile. Je croyais que c'était un espèce de gros truc. Allez, c'est fait, on y va. Ah, c'est fort, mon dieu! Je suis sûr que tous les gens vont se mettre dans un coin quand ils font ça. Je suis quasi sûr qu'on se mette tous dans un coin. Clairement votre machine à café. Demain à 9h du mat vous entendez ce bruit. C'est sûr. Ok, c'est quoi déjà la suite? Turn off pompe, retirer les tubes, fermer l'incision. Prendre un réservoir avec un cavity fluide et mettre le trocar. Ok. Alors les bagues, c'était pas là? Non, ça c'était les tubes, je crois que les bagues je les ai vus. Attends, c'était où déjà? C'était pas là, c'était pas là, c'était pas tout en bas de ça? Non, ça c'est les yeux. Et c'était pas dans l'armoire tout là-bas? Je crois que si. Je crois que c'est le truc là-bas là, qu'il faut faire. J'ai rêvé. Putain, fais chier. I can't use that here. Fuck it! I can't use that here. Les gars, je suis un débile. Je les ai vus en plus, putain. Je sais presque où il y a tout, mais je me souviens plus de ça. Attends, c'était pas là-haut? Non. Si, voilà, excellent. C'était là. Et ça va dans cavity fluide. Le cavity fluide, je sais plus ce que c'était par contre. Je me souviens plus. I can't use that here. C'est quoi le cavity fluide? I can't use that here. C'est pas ce qu'il y a derrière le cavity fluid. Ça je sais, c'est le truc avec ça, bougez pas. Ça c'est le swatch, ça c'est ça. Ça je m'en souviens. Ça je sais que c'est le trocar, je m'en souviens très bien. Faut couper avant ça. Oh putain mec, je souffre. Non, remplir le sac de cavity fluid. Où est le cavity fluid? Je sais plus ce que c'est le cavity fluid. Le vieux couloir, la porte d'entrée.
C'est le truc où j'étais juste avant, donc c'est le closet qui est là. Ça? Non. Can't hold anything else. Je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs, mec. C'est horrible, les gars. C'est horrible. À jouer ça quand t'es explosé de fatigue, je vous jure, c'est horrible. J'ai l'impression qu'on me force à travailler. Qu'on me force à faire des tâches genre précises de fou, dans un ordre de fou. J'ai pas envie, moi. Je veux lancer Valo, putain. Je suis beaucoup trop fatigué pour jouer à ce jeu. J'oublie tout. Ma mémoire à court terme, elle est de zéro, les gars. C'est un truc de ouf. Je vois un truc 5 secondes plus tard, je sais plus ce que j'ai vu. C'est un truc de ouf, mec. Je n'ai aucune mémoire à court terme. Je suis en mode reptilien 3000. Oh, c'est une dinguerie, mec. Ah, des éléments en plus. On en avait pas assez, les gars. Mec, je vais péter les plombs. J'avais dit en plus à Louis que j'étais trop fatigué pour ce jeu. Je l'avais dit. J'aurais dû me faire confiance. Les gars, où est par pitié le cavity fluid? Par pitié! Le bidon gris sur l'armoire, mais j'y suis déjà allé, j'ai même cliqué dessus, putain de merde! Il rend fou! I can't use that here. Mais c'est pas le bidon gris! Vous payez ma tête! Mais au pire, je me casse! Je me casse! J'appelle un prêtre, il me prend 1000 balles, il me jette de l'eau bénite, c'est fini, mec! Ça rend fou! Je suis possédé dans la vraie vie, là! I can't use that here. Si elle redit une fois I can't use that here, je alt F4. Ah, t'es possédé, tu seras jamais autant que moi ce soir. T'inquiète, vas-y, fais-nous tes petites hallucinations, y'a aucun problème. Aucun problème. Par contre, les gars, vraie question, pourquoi ils me laissent pas mettre le trocard avant? Ah bah d'un coup, y'a une plaie. D'un coup, c'est bon, on peut le faire, ça. Ah non, je sais pourquoi, parce qu'il faut... Putain, c'est juste ce tuyau, en fait, il est relié au sac. Dans ma tête, j'avais pas compris. Bon, allez, vide-lui le bide, là, j'en peux plus, là. C'est bon, j'ai toutes les étapes, c'est bon, j'arrête de rager. C'est bon, les gars. J'ai l'aigreur de la fatigue. Et faire un travail minutieux rempli de petites étapes dans mon état de fatigue, c'est clairement pas dans mes cordes. There we go. Oh putain, enfin, oh, j'en peux plus. Oh, j'ai hâte de te remettre au frigo, toi, je te le dis. Mix cleaner in bathroom closet to create tank cleaner. Ah bah oui, ils auraient pas pu mixer les cleaners, genre un bon... Que je tire sur son doigt, elle veut péter ou quoi? Elle veut péter ou quoi? Ah non. A small photo front maison in back, the year of arrival of the house of death, the birth of its creator, the full number shall be 6. Ok. Alors, moi je continue mon taf. Hop là, je mets du cleaner base. Je sais plus ce que je dois faire. I can't use that here. Je dois mettre quoi d'autre là-dedans, les gars? J'ai oublié. Parce que c'est les mêmes bidons là partout, ouais. Putain, je peux plus lire. Create tank cleaner. Then pour into the embalming pump. Mais là, du coup, je l'ai encore sur moi en fait, le truc. Non? Il est où le tank cleaner? Putain, mec. Tiens, la chasse d'eau au cas où, ça porte bonheur. Mais
Ok, tout pour moi tout va bien, ça part pas tant en couille. Tiens, je fais exprès. Nude cleaner in bathroom closet. Mais y'en a qu'un, le blême ça, non, y'a qu'un cleaner. Y'en a qu'un. Est-ce que je l'ai jeté? Non, c'est un tank cleaner. Cleaner base, c'est ça qu'il me faut. Ah non, cleaner base c'est ça. Non, ok, c'est pour ça, ok. En fait c'est ça qui m'embrouillait, ils ont le même skin. Mais en fait, ça, c'est pas la même chose, ça, que ça. Et pourtant, regardez, c'est le même skin. Flemmard, va. Voilà ce qui nous a embrouillé. Flemmardos. Allez. Bon, maintenant que ça c'est fait. Apply moisturizer. Alors, il est où déjà le moisturizer? Il est là? Non, ça c'est les yeux. Ça c'est le fil. Le moisturizer, il est là. Excellent. Allez, on y va. Allez, on y va. Pa, je te refais une beauté. Alright. T'es magnifique, mon frérot. Return body. Allez, maintenant tu dégages. Tu m'as causé tellement de peine, je suis tellement triste. Si tu savais, tu m'as humilié devant tellement de gens. Je regarde pas, je m'en bats les couilles, j'ai peur de rien. Et vous non plus, on a peur de rien, chat. Qu'est-ce que je vous dise? Allez, on y va. Hop. Allez, on y va. Hop, tu dégages. Hop là, au frigo, tu es prêt, ça saute. Suivant. Suivant. Allez, à toi de jouer. On y va. Comment tu t'appelles? Suivant. Suivant. Allez. Allez, à toi de jouer. On y va. Ok. 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 Allez, on y va. Allez, on y va. Excusez-moi, poussez-vous de là. Serrez les fesses. Tout va bien. Ok, on y va. Alors. Ah oui, c'est vrai, il y a ça à faire. J'avais oublié ce truc-là. Allez, on y va. Là. Oula, ça pue. Ça hume. Bah alors, on est dégueulasse ou quoi? Alors, crado va. Hein? Ça l'avait pas beaucoup, hein, de ce côté-là. Gros dégueu. Oh là là, il a un nombre de trucs, lui, c'est beaucoup quand même. Il est très. Oh là là, ça n'arrête pas. Regardez-moi ça, c'est une catastrophe. Oh là là, mais c'est dingue! Oh non, jusqu'au visage, non, vous abusez là. Oh, vous abusez là. There we go. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on y va. On y va. Allez, entrée numéro 2, on y va. Samuel, il a 35 ans. Putain, il est mort jeune, le pauvre. J'en ai rien à foutre. Allez, L-shoulder, on y va. L-arm, il est là. R-leg, il est ici. L-leg, il est ici. Il n'y avait rien à L-leg. Les intellos du chat se moquent. Mais en attendant, on le passe avec brillant. Allez, on va mettre le petit compte-rendu sur le tableau. C'est bon, je vais me rattraper, les gars. Il me fallait juste un peu plus de temps que la moyenne pour m'y faire. Mais c'est bon, c'est réglé, vous allez voir, vous allez être surpris. On a le compte-rendu. On y va. Là, il va y avoir un screamer, un truc ralenti, vous allez voir, ça va pas le faire. Là. C'est fait, il nous reste deux corps à faire, hein. Donc logiquement, ça va aller assez vite. On commence avec... J'ai déjà tout oublié. Ah oui, le needle injector et les machins. Alors, needle injector, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Eh ben non, c'est l'artère. C'est ça. C'est bon, chat, c'est bon. C'est ça avec ça. C'est bon, chat, tout va bien. Rassurez-vous, on fera pas la même dinguerie. Allez, on y va. Allez, on lui fait ses points de suture. Hop, qu'on relie à ceux du bas. Hop, ça c'est fait, on ferme la bouche. There we go. Allez, ça c'est fait, tu vas mieux. On continue, je crois que c'est le scap maintenant, c'est ça. C'est les eyes, et ensuite c'est mélanger les trucs. Allez, on y va. Les eyes, ils sont là. Les gars, je vous speedrun ça, je rigole même plus. Je suis rodé à un point, vous avez même pas aidé. Toi, c'est fait.
toi c'est fait, hop, hop, right. Allez, on n'en parle plus. Maintenant on va mélanger les produits, on sait qu'il y en a un là, hop, on y va. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire clic droit, il y en a un, justement c'est pas lui, c'est lui, pardon, my bad. 2, 3, ok, où est le quatrième? Oh non, pas encore, je vous en supplie. Oh non, pitié. Oh non, tout mais pas ça. Oh non. Non, je l'ai déjà mis lui, mec. Attends, c'est lequel? Le méthanol. Les gars. Ah, salut toi, tout roule. C'est où le méthanol? Oui, oui, bon bah voilà, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, moi je te dérange pas pendant que tu travailles. Il est là le méthanol, c'est bon les gars, c'est réglé, on est sauvés. Allez, je mets le méthanol, super, on passe à la suite. Il y a le... Ah non, il y a ça, le truc maudit qui est juste là. Il est là, hop, on le prend. Putain, comment je te speedrun, mon salaud. Voilà, c'est parti. Maintenant, il faut que je ouvre ça et que je mette la pompe. On y va. Ah, il est plus là, le bâtard. Où est-ce qu'il est? Je sais pas. J'ai peur, mais ça me rassure d'ouvrir cette porte. Je vous le dis, je suis très bien avec cette porte ouverte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, une incision avec le scalpel. C'est vrai, le scalpel, je crois qu'il est là. On y va. Regardez ça comme je suis devenu un professionnel. Putain, les gars, c'est magnifique. Ensuite, c'est ça, hop, qui est là. Ce truc là avec, je crois c'est ce truc là. Non, c'est pas l'artérie forceps, c'est ce truc. Non, ça c'est pour le bide. Putain, j'ai oublié, merde. C'est peut-être ça. Attends. Si, si, c'est ça, c'est ça. C'est ce truc là. D'ailleurs, je trouve ça pas logique que ce soit avec ça. Mais enfin, bon, qui suis-je pour juger? On y va, artérie forceps. On y va, PVC tubing. Et monsieur, on vous nettoie directement. Bruit de machine à café, on se met dans un coin. On attend tranquille. Ah, c'est bon, on s'y est fait à cette routine, les gars. On s'y est fait. Quoi le bloc-notes? Qu'est-ce qu'il y a le bloc-notes? Ça? Il est où le bloc-notes? Oh, je l'ai mis. Pas où il est, les gars. Ah, ça veut dire que je vais mal? Je suis dans la merde? Un truc blanc là-bas qui me fait peur. Ok, ça c'est fait. Turn off pompe, remove tube et referme l'incision avec grand plaisir. Voilà. Ah non, mais ça suffit les problèmes d'électricité. Il est temps d'arrêter un peu là. Bon. Ça c'est fait. Alors maintenant c'est le réservoir bag avec le cavity fluid. Il est où déjà le réservoir bag? Je me souviens plus. Mais le cavity fluid, je me souviens d'où il est. Ça, vous pouvez être certain d'une chose. C'est ça, super. Il est là. Voilà, ça je m'en souviens très bien, mon gars. Ça je te le dis. J'oublierai jamais. Ah merde, je suis en train de devenir fou là. Ah ouais, en effet. Et ça doit aller où déjà? Ah oui, c'est vrai, je dois prendre le truc chelou qui est là. Je dois le foutre là. Allez hop, on y va. Let's go. Putain, comment on le speedrun lui. Je suis fier de nous, bordel. Regardez-moi ça. C'est extraordinaire. Non. J'ai pas le choix. Oh putain, on va se faire défoncer là. Mom. You stupid bitch. Hate me all you want. He's dead because of you. You should be the one here. Lifeless. Worthless. It's me. Ah. Allez, on y retourne. On y va, on se laisse pas déconcentrer. C'est qu'une petite possession. Tout le monde garde son calme, chat, on continue. Tout va bien.
Donc sa mère, apparemment, est responsable de la mort de son père, probablement. There we go. Allez, ça c'est fait, putain, mais on est en train de le speedrun, je suis tellement fier de nous. Ah oui, il faut mixer le truc là-bas, et ensuite il faut l'usage, c'est fini. Les gars, c'est presque fini, hein. Il reste plus qu'un gars, hein. On va prendre celui qui est par terre. Oula, faut que j'écrive là, ouais, je deviens complètement fou. Oula, 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 ça a parti en couille de fou, là, je vous le dis. Attention, chat, serrez les fesses. J'aime pas le bruit de ce truc qu'il fait, ça me stresse de fou, là, c'est horrible. Ok, tout va bien. On a trouvé une clé, on a trouvé la large old key, donc je pense qu'il y a un truc qui va se débloquer tout à l'heure. Quand ça c'est fait, on lui nettoie le visage. Les lingettes, elles sont là. Ok, excellent. Ah, on va se prendre un sale screamer, les gars, faites gaffe. Ah là là, je mets tout sur ici là. Right. Ah ok, ok, ok. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Retourne body, allez, dégage. Dégage de là, je t'ai trop vu, dégage de là. Non, 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 t'as fout le cul, t'as pas allez, tu dégages. Excusez-moi. Ah, j'ai crié premier degré, j'ai vraiment très peur. D'ailleurs, je suis fatigué, je suis à fleur de peau de fou là, je vous le dis, je suis genre méga sensible. Je suis un être humain très sensible actuellement. Ça va. En fait, ce qui me fait, c'est que je crois que j'ai fait un cri qui est hyper court. Dans ma tête, le cri il a duré genre une microseconde. Ça fait. Ah j'étais plus un screamer que le screamer. Allez. Ah oui, non, attends, faut que je prenne lui. Non, attends. Lui c'est fait. Lui c'est fait. C'est qui qu'on n'a pas pris là? C'est toi, non? C'est toi le dernier corps. Toi on t'a fait, je me souviens de toi. Toi y'a rien. Et toi y'a rien aussi. Ah, j'ai eu peur de fou, les gars. J'ai cru que c'était le cri du jeu. Ouais, je suis désolé. Allez. Allez, allez. Régale-nous. Mais toi, je t'ai déjà fait en plus. Pourquoi t'es encore là, toi? Dégage de là. Je l'ai déjà fait, elle. La vie de ma mère, j'ai déjà fait. Putain, elle veut passer deux fois, quoi. Même morte, elle triche. Oh là là. Oh là là là. Allez les gars, on s'y colle, c'est parti. Ah, dégueu. Ah, c'est bon, ça l'a noté. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, oula, on est griffé là, attention. J'ai l'impression qu'on va pas très bien. On a rien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite cradoterie ici. Allez, rotate-toi, qu'est-ce que t'as dans le dos? T'as une petite saloperie ici, fais attention. Au niveau des mains, qu'est-ce que t'as? Là, t'as un truc ici, on le voit bien. De l'autre côté, t'as rien. Et sur le visage, t'as pas une petite croûte? Une petite croûte ou deux? Non, pas de croûte. Et voilà, tu t'es fait griffer, toi. C'est quoi, tu t'es battu avec ton chat et t'en es morte? Qu'est-ce qui se passe, là? On est où? Allez, c'est pas grave, tout va bien se passer. Attends, voilà, on va te mettre là. 80, t'as une belle vie. Dommage que ton chat t'ait réduit cette durée de vie. Mais bon, ça arrive. Allez, L-leg, c'est là. Air-shoulder, on est où? On est là. Air-arm, c'est ici. Air-arm. Mais pourquoi il s'est retiré, lui? Mais, je vais péter les plombs. Ah. Bon. Libérez le chat là, les modos là. Enfin, on est où? Laissez les gens s'exprimer, bon Dieu. Allez, on y va. Report, c'est le dernier. Elle, elle va être horrible, je vous le dis. Entrez à gauche. Merci les gars d'avoir regardé le live. Merci beaucoup. C'était trop stylé. Je suis fatigué mais on a fini.
Allez, fin de la blague, on y retourne, on finit ce qu'on a commencé. Avec courage. C'était juste une manière de pas devoir faire ça. Je suis ravi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Toi, je t'aime pas, toi. Toi, je t'aime pas. Non. je suis perdu, là. Je commence à être possédé pour de vrai. Comment ça, I'm missing something? Tu missing rien du tout? Tu perds la tête? Voilà ce que tu perds. Ah oui, c'est le needle injector avec ça. Putain, à chaque fois je confonds, c'est infernal. C'est ça avec ça. Ouais. Attends, t'es sûr? Ça va où? Je me souviens même plus d'où ça va, les gars. Ah oui, c'est ça, putain, c'est vrai. En fait, comme ils appellent ça injector, ça sème la zizanie dans mon cerveau, vous voyez ce que je veux dire? La zizanie est complète. Allez, on y va. There we go. Et voilà, tu te refais une petite beauté. Maintenant, c'est le moment de te mettre ça. Right. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va te faire ton petit coup ici avec le scalp, si je me trompe pas. De mémoire, c'est ça, hein, de mémoire. Et voilà, jamais faire confiance à sa mémoire. Putain. Et ce mélange là, mettre dans... Et toi là, tu veux pas bosser? Au lieu d'être nu dans le couloir? En slip? En slip? Tu méritais de te retrouver ici. Bon, allez, on avance. All of man could be sin. My coming shall herald glory and sorrow. I will clean the flesh of man from my own. 3 houses and halls of hell. 2 beacons of glory of my house. 1 to usher tribulation. I have come. Killed him. You threw away his love with your selfish sin. In his final moments, he regretted you. Je l'ai tué. Qui, de qui il parle, mon père? C'est mon père? C'est moi? What a familiar voice. Be more comforting. Just let me get Rebecca. It will be over. Bon. Je vous déteste. Je vais finir ce que j'ai à faire et me barrer d'ici. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que c'est bien clair? Allez, on y va. Allez, maintenant il nous faut le fameux truc comme ça, avec les fameux câbles ici. Putain les gars, c'est bon, j'ai torché le truc là. C'est bon, I'm c'est bon. Something. Merde. Ah, chaque fois j'oublie un truc. Putain, je serais pilote d'avion, vous seriez tous décédés là. Large. Ok, on y va. Oh.
Allez, le moment un peu bruyant. Ah. Ah, il faut que tu brûles les corps qui sont possédés. Mais je sais pas lequel c'est. Lequel? Celui-là, lui? Je sais pas lequel. Attends, c'est quoi déjà pris? Comme ça on perd pas de temps. Turn off, prendre le réservoir, mettre dans le cavity fluide et mettre le trocar dedans. Bien joué. Allez hop, 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 on en voit plus. Un sac, ils sont les sacs. Ah! Ah, bâtard! Ah, chenapan! Ah, le bâtard! Ah, j'ai trop pas aimé! Ah, bâtard! Ah putain, allez. Il était horrible, lui. Ah, il était horrible. Allez là, putain, elle a bien mangé avant de mourir, hein. Elle est morte de ça probablement d'ailleurs, elle a trop mangé là, il y a tellement de trucs dans son bide. Les symboles, quels symboles les gars? Il y a des symboles à voir? There we go. Je suis désolé, j'ai pas vu les gars, je suis désolé. On est presque au bout en tout cas, j'ai presque fait ce que j'avais à faire. Ce nous restera à lui laver le visage et ce sera réglé. On s'en sort bien. I can't use that here. Oula, je deviens fou. Oula, un pentacle apparaît. Pas dingue. Comment je trouve le nom, les gars? Je sais plus comment je fais pour trouver le nom. Je me souviens plus. It's your grandma. Non. Bah non. I need you to let Elle dort. Me bah non. Elle dort, elle se couche très tôt. Don't you love your grandma? It's so cold out here. Non. Allez, laisse-moi lui nettoyer le visage. Let me, you little bitch. Oh wow. All right. Les gars, on a fini. Les gars, on a fini. Allez, ça dégage. Mission terminée, on brûle les trois, on s'en bat les couilles. On brûle les trois, non, dans le doute, on fout même le feu à la clinique là, on s'en fout, non? Attendez. Vas-y, c'est la 2. On doit trouver quel corps il a choisi. The three objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center is called a mark. Il y avait un truc? Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent. Qui vont réagir à la marque. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called leaded strips. You must inscribe the sigils of its name on the left to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them.
being strip up will be for the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them, so check regularly. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, burn it in the retort. En fait, j'aurais dû prendre ça et le mettre sur les corps. C'est ça l'histoire? Mais c'est cuit, les gars! Je viens de faire le jeu pour rien. J'ai zappé l'étape principale du jeu. J'ai rien fait brûler aucun papier. J'ai mis aucun signe. J'ai juste fait mon travail, moi. J'ai juste fait mon travail et je suis même pas payé. Vas-y, on va essayer de brûler le papier. On va voir ce que ça dit, hein. Mais faut le brûler où? It's burning. Ah! Oh mon dieu, alors là il y a eu un truc paranormal. Vous voyez bien? Oh! Ah, il est où le symbole? Il est où le symbole? Putain! Papier de merde! Oh, il fait noir là! Oh, on me joue des tours! Oh, comment ça fait peur? Oh putain! Oh putain! Si t'avances, je brûle ce papier! Si t'avances! Prends garde! Hop là, je vais pas venir celle-là. Mais je fais quoi avec ça? Derrière la porte, derrière quelle porte? Merci. La lettre B. Je peux plus en faire brûler? J'ai plus le droit? Si, c'est bon, ça brûle. Oh putain! La vache! Ça recommence! On peut pas s'allumer une clope dans ce bureau, hein? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que le signe n'est pas dans ce tableau. Ni dans celui-là. Ni dans celui-là. Dans le miroir? Sur la photo? Non. Oh. Oh, waouh. Dans le bureau, quelque part, il y en a un dans la pièce là. C'est sûr. Il y en a quatre à trouver de toute façon, les gars. Donc. Et voilà, et c'est un. Bon, c'est un peu comme le B. Où je rêve. Holy fuck. Ça fait beaucoup là. Bon, je vais mourir. C'est ça? C'est pas ça? Ah!
Je vais chialer. Can't use that here. Je peux pas l'allumer le truc là? Pourquoi il s'allume pas? Ah, faut que j'aille là-bas. Ouais. Ça va être dans un... C'était ça, non? Ou c'était ça? Ou c'était ça? C'était ça, non? Ça peut être que lui ou lui. C'est ça, je crois. Donc il reste que lui. Ok. Ah merde, le papier. Les gars, on touche au but, hein. Je peux pas vous dire mieux. Finally. Ok. Le dernier, il va brûler vers où? Ah merde, il rebrûle ici? Ouais, c'était ça. Ouais, c'était celui-là. C'était un... Et là, c'est le B, donc c'est celui avec lequel on hésitait. Ok, bah les gars, on a tout. On est trop fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a carré le truc. C'est lui qui va là. Et ok, maintenant je la mets où? Je la mets là? Faut le mettre où? J'ai oublié. Ah oui, il faut trouver le nom dans l'ordi. My bad, my bad, my bad. Faut trouver le nom dans l'ordi. Il est où le code déjà? Il a dit que c'était... dans un truc dans le bureau, dans le truc de son manteau ou je sais pas quoi là? Non? C'est pas ça? Si Typhon, Abandoned Gun, Riposte, Typhon, Prey, machin, je sais pas, non, ça peut pas être ça. Sur le miroir, son ID, ouais, je crois que c'est ça. Oula, ça a été éteint. Ah, mais c'est 1970, c'est ça, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça? Ah, c'est là. Full access. April 17 1944. C'est au dos, je crois. 46 90 73. Il y avait des clés. 46 90 73. 46 90 73. Alors, identify. Monique. The appearance of new markings on the body, sudden movement, large or small, repeat movement. When a demonic entity is present, the vessel it is occupying may form marking. Ah, donc genre des griffures et des trucs comme ça, ok. The body with a demonic inhabitants may display sudden movement. Alright. This. Working? Yeah. This thing is huge. Yes. This is David. Raymond, this feels insane, but I think you were right. This has happened a few times now, but let me see if I can get in here. Okay. There it is. Ok,
Ok. Bah moi c'est clairement la meuf là, c'est clairement elle qui a vécu ça. Attends, te faisons tous les onglets. Ah c'est ça le truc des signes, pardon. Ok. Quoi? Ah voilà c'est ça, bah c'est ça, c'est ça que je dois lire. Nous je sais que... Non... Attends c'est quoi déjà? Excusez-moi j'ai oublié. Come over here. Non. C'est B, J, L, B. B, J... Why aren't you coming? B... Non... C'est pas ça. Come over here. Je ne viendrai pas. Non, c'est Rebecca. Pas ça. Rebecca! Attends, j'ai dû le rater. Rebecca! Ouais, B. Come over here. J, c'est ça, c'est ça, ça, c'est celui-là. Ok, donc c'est, faut mettre le J à droite, le B à gauche, le grand B là. Come over here. Here. Come over here. Mais, merde. Comment je fais? Pour changer? Ah ok, faut que je fasse Rebecca. Ça. Mais non. J à droite, L. Rebecca. En haut, l'autre B à gauche, ça non? Tais-toi! Rebecca. J à droite, L en haut, B italique à gauche. Ok, il faut juste inverser les deux là et c'est bon. Rebecca. Ok, on l'a non? Et maintenant je fais quoi? Je le prends et je le mets où? Why aren't you coming? Qu'est-ce que je fais? Je sais qu'il y a un mec au fond, je vois bien les gars. Il va Come nous courir over dessus, here. Faites gaffe. Why aren't you coming? Putain, elle est dans la morgue. Sur le corps? Sur elle? Rebecca. Oh. Et maintenant? Mais est-ce que c'est Rebecca. Elle? Parce qu'elle, elle avait des griffures et tout, donc moi je pense que c'est elle, hein, mais en vrai j'en sais rien. Hein. Tu vois, elle a des griffures et tout. Je pense que c'est elle. Why aren't you coming? Vas-y, on y va. I can't use ah, et je dois la mettre au four. Rebecca. Comment je peux savoir si c'est elle ou pas? Attendez les gars, parce que... Rebecca. Tais-toi! Tu t'es maintenant! Rebecca. Rebecca. Ok, il dit des mots. C'était dans quoi? C'était dans ça, je crois, Rebecca. Qu'on a envoyé le corps. Puisqu'il y a ça et ça. When the demonic entity is present, the vessel is occupying my form marking not previously observed. Inspecting a body at the time is important spoiling this. Pour moi, les gars, c'est forcément elle. Hein. Il y a que elle qui avait des griffures sur le visage et carrément j'ai dit qu'elle s'était battue avec son chat. Pour moi, c'est elle, chat. Allez, vas-y. Screamer, faites gaffe, serrez les fesses, serrez très fort les fesses parce que là il y a l'autre qui me harcèle qui dit Rebecca. Pour moi c'est lui les gars, je vous le dis. 100% lui. C'est 100% lui les gars. Je suis vulgaire, quel corps a de nouvelles marques. Je peux pas regarder juste comme ça. Non mais lui il a pas de... Mais non. OMG. Ça fait peur là par contre. Le bruit là j'aime pas du tout. Je vais mourir. Faut que je la brûle. Are you sure this is the right one? Wow. Il me met un doute. Moi je pense que c'est elle mec. Moi je pense c'est elle, je vous le dis. Je vous le dis, je suis sûr que c'est elle. Je suis dégage. C'est elle, 100% c'est elle. Y'a quelqu'un qui avait des griffures. C'est elle.
Vous dites tous c'est le mec John, moi je pense c'est elle. C'est elle, non? C'est une feinte? Non, c'est pas une feinte réelle. Non, c'est elle. On a réussi? Putain, j'en peux plus. Good morning. It's nice not to be the one down there for a change. Raymond? I suppose a first name basis is in order. Did I make it? Is it over? For now, it's never really over. You've come a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home and get some rest. Every night can be different. I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting for so, oh, non. So long. What? What oh, are you... no. Oh, no. You chose the wrong body. Rebecca. Rebecca's not here, you fucking idiot! You can so worthless. Watch your foolish boy. No. And drink it as nuts from your pitiful frame. Worthless old shit! Non, c'était le mec. Toujours écouter son chat de bronze. Non. Non. Comment vous avez su? Vous l'avez vu bouger? Comment vous avez su que c'était le gars? Putain, j'étais sûr que c'était elle. Comment vous avez su? Comment vous avez su que c'était Samuel? Ah, j'étais sûr que c'était elle, mec. Non. Parce que normalement, elle aurait dû avoir des trucs qui apparaissent au moment où je pose le nom dessus. Ok, ok, my bad. Ok, je pense, j'avais pas compris que c'était à partir du moment où on mettait la tablette avec le bon nom dessus que les signes apparaissaient. My bad. En fait, il aurait fallu les ranger elle, ramener l'autre, le faire, voir s'il y a un truc qui bouge, et s'il n'y a pas de truc qui bouge, ramener le dernier, quoi. Ah, my bad, je suis désolé. Bon, c'était cool, les gars. C'était quand même bien kiffant, hein. Très bien le jeu, j'avoue, juste dur de jouer fatigué, là. Il faut apprendre une routine de 10 étapes, et je t'avoue que... Après minuit, moi, je suis vraiment inefficace. Surtout après 4 heures de live, où on fait blablabla, je suis inefficace de fou. Désolé d'avoir été aigri, les gars. Mais c'était très dur pour moi là, je vous jure, c'était vraiment très très dur. Typique ce qui me fait tilt. C'était dur. J'ai hâte de revoir Aigri Man, j'étais vraiment aigri. J'ai quand même kiffé, c'était cool les gars. C'était très cool. Mais ouais, Louis, voilà pourquoi il faut que je fasse des jeux solo. Après minuit, c'est impossible, j'arrive pas à tenir, je suis trop mort. C'est impossible, je suis trop démoli. Enfin, après minuit, je peux, mais si j'ai pas fait 3 heures de blablabla avant quoi, sinon je suis trop fatigué. Bon, merci d'avoir suivi le live les amis. On a bien kiffé, c'était un bon gros live, on s'est régalé. Il est quelle heure là? Il est 1h, un truc comme ça? Non, il est 1h12, putain, il est temps d'aller dormir. Je vais bien dormir, croyez-moi. Merci à tous ceux qui ont sub, vous avez été très nombreux à sub ce soir. Merci d'avoir suivi le live, merci d'avoir été si nombreux. Il y avait beaucoup de monde aussi ce soir. Ça fait grave plaisir. Des beaux lives à venir. Et voilà, vous savez que je vais pas trop m'attarder, parce que quand je suis dans cet état, j'arrive même plus à parler. Je vais juste foncer dans mon lit directement, après une bonne douche. Et me régène. Voilà, une grosse potion de mana là cette nuit. Ça va me régaler. Bonne nuit tout le monde, merci d'avoir suivi le live. À très vite et à dimanche pour la big vidéo. À dimanche. Bisous tout le monde. Ciao, je trouvais pas le bouton ending, c'est là, ciao.